Extraordinaire. Superbe. Je suis un peu sans voix. Extraordinaire. Sensationnel. C'est fantastique. Ah. J'avais jamais vu ça. Ouais. On n'a jamais vu le théâtre d'Agen en liesse comme ça. Impression ce soir sur cette soirée qui est une sorte de bouquet final, même s'il reste encore une journée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la impression là? C'est super original et puis ils nous ont fait bouger d'abord parce qu'ils nous ont rappelé des grands moments de Bob Dylan et John Baez, et puis là vraiment le solo de guitare sur Welcome Hotel California, non, c'était du très très haut niveau. Et d'ailleurs on le sent, les gens sont contents et surpris qu'on ait eu cette qualité-là. On a pris une leçon de musique. Ce sont des musiciens extraordinaires. Ils sont d'abord, ils ont une formation musicale indéniable, mais au-delà de ces potentialités, ils sont capables d'imiter les instruments sans artifice technique, en imitant les guitares, les trompettes, les trombones, les batteries, avec une élégance et une vérité dans le son qui est assez bluffante. On est complètement subjugué. Moi, j'avoue que là, je suis sur un nuage et j'ai du mal à réaliser ce qu'on a vécu. Pourquoi avoir choisi le festival des folies vocales d'Agen? Là, estamos haciendo una gira por Europa, una pequeña gira, donde... Ils ont profité d'une tournée qui s'effectuait en Europe, en fait, pour s'arrêter à Agen. Ils avaient entendu parler des folies vocales, ils ont accepté de venir et ils se sont donc arrêtés à Agen. Et ils espèrent revenir, surtout. Estamos muy contentos, muy contentos. Comment ils ont trouvé le public ce soir? Magnifique. Magnifique, Público exceptionnel. Maravilloso, encantador. Y muy, muy musical. Grandioso. Estupendo. Magnifico. Mais comment vous avez réussi à les faire venir? Parce que on le dit, c'est une exclusivité nationale. C'est la première fois. C'était quoi le contact? Comment vous avez réussi à les avoir? Un an et demi de travail. Un an et demi. Ouais. Pour les convaincre de venir ici. Parce qu'en général, il n'y a que des capitales. Et Agen, c'est vraiment pas une capitale. Mais ce soir, c'était la capitale de la musique.